Allez! Allez! Ok, c'est même des sombreros, ça y est. N'importe quoi, on touche pas à Ferran, Ronaldinho Torres. Et ouais, vous avez vu le titre de la vidéo, ce n'est pas une blague, j'ai bel et bien rencontré Johan Laporta. Alors où je vous parle, je rentre à l'instant à l'hôtel, je suis complètement éclataxe, pardon, vous pouvez le ressentir à ma voix cassée. Mais ça en valait la peine, ça en valait la peine de fou, je ne regrette absolument aucun moment, aucune seconde. Donc je suis là pour vous en parler, je vais évidemment vous montrer des images. Alors je tiens à vous dire tout de suite, pour les personnes qui pensent que ça va être une interview d'un joueur important du Barça, ça ne sera pas le cas. Descendez, baissez vos exigences, ça ne sera pas le cas. C'est, voilà, j'ai rencontré Johan Laporta et de grandes choses pourraient décououler de ça pour l'avenir de la chaîne, pour le présent, pour moi. Et je vais vous en parler durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier particulièrement OneFootball qui sponsorise mon voyage à Barcelone. C'est grâce à eux que je suis là dans cette ville pour pouvoir vous faire toutes ces vidéos-là en immersion, vous faire rentrer dans des endroits assez privés. Donc voilà, je remercie OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve, le lien sera en description, elle se trouve sur toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android, peu importe. Vous trouverez OneFootball, toutes les actualités, tous les scores, tous les résultats de matchs et même parfois des lives de matchs en direct. Donc voilà, l'application est totalement, encore une fois, gratuite. Le lien sera en description. Je vais vous faire le compte-rendu complet de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors déjà, le match face à Cadiz, alors j'imagine que c'est secondaire pour vous ce qui s'est passé contre Cadiz, vu voilà, l'événement, ma rencontre avec Laporta. Je ne sais pas si vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse une sorte de débrief. On va le faire quand même. Si vous voulez passer la vidéo à l'instant où vous verrez les images avec moi et Laporta, c'est comme vous voulez. Mais il y a eu un match, on doit en parler. Il y a eu un match, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus, mais voilà, on va dire deux, trois petites choses dessus. Première mi-temps, voilà, le Barça était en gestion, en contrôle, deux buts, quand même assez incroyable. Ferran Torres qui s'est transformé en Ronaldinho au prime. Je ne sais pas quel esprit était aujourd'hui dans le corps de Ferran Torres, ou hier, quand vous regardez la vidéo. Mais ce n'était pas Ferran Torres, le Ferran Torres qu'on a vu depuis le début de la saison. C'était un autre Ferran Torres en mode Ronaldinho. Je vais vous montrer quelques séquences, vous allez voir par vous-même. Parce que ce n'était pas que sur l'action du but, parce que déjà sur l'action du but, il a été incroyable. Des dribbles à gauche, à droite, déposer les mecs comme du n'importe quoi. Je me disais, mais depuis quand il sait faire ça, lui? La réalité, c'est qu'il savait le faire. Le problème, c'est que c'est un joueur en manque de confiance. Et quand il est en confiance, il est capable de faire ce genre de choses. On va espérer qu'il continue comme ça parce qu'on aura besoin de tout le monde. Même Ansu Fati n'a pas été si catastrophique que d'habitude. La sortie en sombrero au bout d'un moment. Techniquement, tu vois qu'il en a toujours sous la semelle. Mais bon, physiquement et au niveau de la finition, c'est toujours là que ça pêche. On a besoin, le Barça a besoin en gros que tous ces joueurs-là reviennent en forme comme Ferran l'a fait ce soir. Ce n'est qu'une étape pour gravir les échelons et revenir à un très haut niveau. On a besoin de tout le monde dans l'effectif parce que, comme on le voit avec les blessures, les suspendus, ça peut être compliqué assez rapidement. Désolé hein, si j'ai l'impression de m'endormir, mais je suis vraiment mort là. Mais je vous dois quand même cette vidéo parce que voilà, c'est important que je la sorte pour vous et pour moi aussi. Donc, deuxième mi-temps, voilà, le mort de chez mort. Alors, j'ai quand même assisté à un but de Lewandowski, enfin, au Camp Nou. C'est incroyable, la sensation, l'explosion de joie. C'était quelque chose de fou. Donc, en deuxième mi-temps, voilà, pas grand-chose à dire pour la deuxième mi-temps. Gestion à outrance. Le Barça a même perdu la possession pas mal de fois sur cette deuxième mi-temps. Cadiz a touché le poteau, pas qu'une fois. Attention quand même à ça. Faudra réussir à gérer beaucoup mieux les deuxièmes mi-temps, d'autant plus quand tu mènes 2-0 comme c'était le cas lors de ce match. Attention à ne pas se faire surprendre parce que ça aurait pu être le cas avec Cadiz. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Le Barça conserve ses 8 points d'avance sur le Real.
Et donc, par rapport à moi, pour revenir à ma rencontre avec Laporta, ben, ça s'est passé assez rapidement, en fait. Peut-être rapidement parce que pour moi, c'était très rapide. Peut-être que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, en vrai. Mais la réalité, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que moi, depuis tout petit, c'est quand même une personne que je vois à la télé, comme vous voyez Laporta à la télé, comme tout le monde voit Laporta à la télé. Les personnes autour de lui, la direction, j'ai eu accès en fait à des zones auxquelles je n'aurais jamais pu imaginer avoir accès un jour. J'ai côtoyé des personnes qu'on voit toujours, tout le temps à la télé, que ce soit les Rafa Yuste, les Matteo Alemani, des personnes très sympathiques qui n'ont pas l'air. Alors oui, j'imagine bien parce que c'est, voilà, il faut paraître courtois et tout, etc. Mais je vous le dis sincèrement, ce sont des personnes qui te mettent à l'aise. Mais tout de suite, c'est incroyable de côtoyer ces personnes-là. Je suis arrivé dans la loge VIP, vous pouvez le voir avec les images. C'est incroyable. T'as l'impression d'arriver dans un autre monde. C'est un monde parallèle. Il y avait une salle où il y avait énormément de personnes importantes du club ou d'autres personnes, que ce soit, j'imagine, des investisseurs ou des amis, des personnes importantes qui sont invitées par le club. Et ça a été ça, en fait, durant toute la soirée après le match. Juste après le match, il était super pressé, il est monté voir, il est descendu voir Xavi d'abord, il a pour un peu, j'imagine, s'entretenir avec lui. Il est resté longtemps, après il est revenu. Mais le truc, c'est que ben, Laporta, c'est Laporta, ça reste le président. Donc vous imaginez bien qu'il était entouré à chaque fois de personnes, à chaque fois qu'il faisait un pas. Donc malgré tout, j'ai réussi, grâce à Ius, pour ceux qui ne le connaissent dans la communauté Barça, il m'a énormément aidé par rapport à tout ça. Il m'a introduit à Laporta. Et j'ai pu échanger avec Laporta. Certes, ça a été bref. J'aurais aimé en fait vous partager notre conversation, mais bon, vous imaginez bien que le service communication de Laporta, c'était compliqué, c'était pas possible, ne serait-ce que de mettre un micro, encore moins filmé en mode interview, c'était pas possible. Donc j'ai eu qu'une, on va dire, une conversation formelle avec lui, rien de bien extraordinaire. Et voilà, Laporta m'a confirmé en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a offert un poste au club, aux côtés de Xavi, pour le côté psychologique. Et bien évidemment, ceci est un mensonge, comme vous me connaissez. Non, mais plus sérieusement, voilà, on a discuté, on peut parler de la situation du club. Il m'a encouragé par rapport à ce que je fais sur YouTube, et je lui ai fait comprendre que c'est grâce à vous aussi, la communauté. Que tout ça, c'est grâce à vous et que voilà, on continue à défendre le club. Que ça soit récemment avec toutes ces accusations d'allégations de corruption, nous on est là en fait pour défendre le club parce que si on le fait pas, bah, personne d'autre le fera à notre place parce qu'on aime le club. Voilà, c'était des discussions comme ça et honnêtement, c'était incroyable. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que oui, ça pourrait être le début de quelque chose pour la chaîne parce que non, ça ne va pas juste s'arrêter à ça, comme ça. Figurez-vous que dans quelques jours, oui, j'aurai la chance de pouvoir avoir, pour ceux qui le connaissent, bah, pour beaucoup, peut-être ça, c'est pas important pour vous, mais j'aurai en interview, en fait, le jeune Lamine Yamal. Donc, qui joue en juvénile A, jeune Massien, qui est très, 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 très attendu, qui est très prometteur. Ça parle déjà beaucoup de lui un peu partout. Très talentueux. Je vous ai déjà sorti une vidéo sur lui, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Vous avez été très intéressé par cette vidéo. Donc voilà, je vais m'entretenir, je vais avoir la chance de m'entretenir avec lui. Et puis, voilà, c'est le début. Il faut bien commencer quelque part. Vous imaginez bien que demain, je vais pas commencer à interviewer Lewandowski. C'est une dinguerie. Mais voilà, Lamine Yamal, c'est exceptionnel que j'ai réussi à avoir cette opportunité-là. Et je compte sur vous pour être là. Si vous avez des questions, d'ailleurs, parce que ben, c'est vous aussi la communauté qui est derrière tout ça. Donc, si vous avez des questions par rapport à lui, par rapport à peu importe ce que vous aimeriez que je dise, ben, c'est le moment de le dire en commentaire. Comme ça, moi, je prendrai en compte tout ceci avant de le rencontrer. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier Yous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le connaissez très certainement dans la communauté, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la personne, tout simplement, qui m'a aidé
a rencontré Laporta. Il m'a introduit à Laporta, il a fait ça sans rien attendre en retour, absolument rien du tout. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails. Tout ce que je vais vous dire, c'est que il est loin de l'image de la personne que la communauté, une grande partie de la communauté a voulu faire passer de lui. C'est pas du tout cette personne-là. C'est vraiment une personne, je trouve, hein. Moi, en tout cas, encore une fois, je parle en fonction de ce que j'ai vu du moment où je l'ai côtoyé. Mes échanges avec lui ont débuté il y a pas mal de temps déjà. Encore une fois, ceci est la résultante, en fait, de rien du tout en échange. C'est pas comme si je lui avais, moi, promis quelque chose en retour ou quoi que ce soit, absolument pas. Il a fait de gaieté de cœur, tout simplement. Et voilà, moi, c'est mon expérience personnelle avec lui. Maintenant, chacun peut se faire son idée, son opinion de lui, mais mon opinion à moi, à l'instant T, de ce que je connais de lui, c'est que c'est une personne qui a un amour inconditionnel du club. Et je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles ben, Laporta le garde comme ça près de lui. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit, chacun fait son opinion, mais moi, mon opinion, à l'instant T, encore une fois, c'est celle-là. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Là, je suis exténué, je vais essayer d'aller me reposer, dormir un peu. J'ai hâte de lire vos retours. Est-ce que ceci vous a intéressé ou pas? Est-ce que c'est pour vous utile? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez des questions pour Lamine Yamal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.